Bien, bonjour à tous. Nous avons beaucoup progressé dans l'exposé de cette introduction au droit forestier, puisque nous avons parcouru les sept premières leçons. Nous allons maintenant passer à la leçon 8, qui sera plus courte que la précédente, par l'exposé d'un outil fondamental pour la gestion de la forêt privée, le plan simple de gestion. Le plan sera simple. On verra le champ d'application, le contenu du PSEG, son agrément, l'application par le programme des travaux, le programme des coupes. Et il y aura une notion sur le PSEG facultatif. Voici donc notre plan. Je rappelle qu'il existe plusieurs modes de gestion de la forêt privée. Le principal, c'est le PSEG. Sur tous ces modes de gestion, j'avais il y a au moins 20 ans de ça écrit un livre de synthèse doctrinale avec toute la jurisprudence, etc. Les régimes juridiques de gestion forêt privée. On le retrouvera dans la bibliographie. Leçon numéro 9. Champ d'application du PSEG. Pour qu'une forêt puisse être dotée d'un PSEG, il faut qu'elle satisfasse à certains critères cumulatifs. D'abord, il faut qu'elle ne relève pas du régime forestier, c'est-à-dire, essentiellement, il ne faut pas que ce soit une forêt publique. Ensuite, elle doit avoir une superficie minimum. Le seuil légal est de 25 hectares, mais par département, ce seuil peut être abaissé jusqu'à 10 hectares par arrêté préfectoral. Ensuite, être d'un seul tenant ou un ensemble morcelé, mais dans tous les cas appartenir à un même propriétaire et dans la même zone géographique. Dans la mesure où cette dernière expression mise entre guillemets prêterait à discussion, seul le juge est habilité à trancher la question. Le contenu 82, donc le contenu. Le PSEG comprend sa durée de 10 à 20 ans. Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. La définition des objectifs du propriétaire, car le plan simple de gestion est un plan individuel. Un propriétaire peut avoir des objectifs spécifiques, notamment s'il veut planter du bouleau pour la pharmacie ou autre. Ensuite, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes. Exploitation, reconstitution, donc, etc., etc. Le propriétaire peut se faire assister d'un expert agréé pour établir le plan. Le plan doit notamment être conforme au schéma régional de gestion sylvicole. Il n'y a pas de difficulté sur ce point-là. L'agrément. Le propriétaire adresse le plan au CRPF, Centre régional de la propriété forestière. Le CRPF dispose d'un délai d'un an pour statuer. S'il ne respecte pas ce délai, le propriétaire notamment peut exercer un recours juridictionnel. S'il le respecte, il peut prendre une décision d'agrément qui est notifiée au propriétaire. Il peut aussi refuser d'agréer. Le propriétaire doit alors saisir le ministre d'un recours administratif. Et il y a possibilité, évidemment, d'un recours juridictionnel. L'application. Pour le programme des travaux, d'abord. On verra après le programme des coupes. Les travaux de reconstitution doivent être réalisés dans les 5 ans qui suivent l'exploitation. 5 ans. Le programme des coupes
Alors il faut rappeler qu'il existe quatre catégories de coupes. Les coupes libres, ce sont les coupes destinées à la consommation rurale ou domestique du propriétaire, rural ou domestique. Les coupes prévues au plan, elles sont exécutées conformément au plan, avec liberté d'avancer ou de retarder de 5 ans. Il y a les coupes d'urgence, en cas d'accident, de maladie, de sinistre, tempête, gel, etc. Pour ces dernières coupes d'urgence, le propriétaire doit effectuer une déclaration au Centre régional de la propriété forestière, qui peut faire opposition dans un délai de 15 jours. Un délai rapide, hein, là. Un recours est alors ouvert devant le ministre. Le silence vaut acceptation. C'est une règle favorable à la propriété privée, ça. Ensuite, il y a des règles spéciales pour les sinistres de grande ampleur, constatés par arrêté ministériel. On en a vu beaucoup ces 20 dernières années. Les quatrièmes coupes sont les coupes extraordinaires dont parlait Camille Vigouroux précédemment. Exemple, coupes non inscrites au programme. Elles sont soumises à autorisation préalable. Il y a lieu à déclaration au CRPF qui peut faire opposition dans un délai de 6 mois. Il y a un recours ministre possible. Le silence vaut accord. Pour les coupes extraordinaires, je précise que ce n'était pas Camille Vigouroux faisait sa réserve en ce qui concerne l'aménagement en forêt publique, hein, parce que le concept de coupe extraordinaire est commun à la fois à la forêt publique et à la forêt privée. Voilà. Que tout soit clair. Le PSG facultatif, dernière notion. Il existe pour les superficies comprises entre 10 hectares et le minimum légal de PSG obligatoire, 25 hectares en principe. Donc la forêt concernée peut appartenir à plusieurs propriétaires. Ça, c'est original. Et son régime n'est pas précisé par le code et peut prêter à discussion. Mais dès lors qu'il est agréé, les règles du PSG normal devraient s'appliquer. Voilà. Eh bien, en 8 minutes, grosso modo, nous avons parcouru cette leçon 8 sur le plan simple de gestion. Il y a du contentieux de temps à autre sur le plan simple de gestion qui vient enrichir la matière. Et ce faisant, il ne reste plus qu'une seule leçon à faire, celle sur la bibliographie qui est purement descriptive, qui va recenser tout ce que j'ai écrit depuis 1984. Nous allons donc passer à la leçon 9 et ce faisant, je vous dis au revoir et sans aucun doute, à tout à l'heure pour un exposé d'une bibliographie qui s'est beaucoup enrichie grâce à mon travail de presque toute une vie.